but encore, et ça, c'est peut-être la seule satisfaction de ce soir. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire à la fin. Mais bon, le point, c'est positif. Et on a tout fait voilà, pour gagner, mais on n'a pas arrivé à faire bien tout ce qu'on voulait. Mais bon, c'est très important de ne pas prendre de buts et de ne pas perdre. Et voilà, on va, comme je dis, on va penser. Il y a un match dans deux jours, trois jours, et on va penser le prochain match. Tu te sens comment, toi, dans la forme de ta vie, là? Enfin, tu es sur vraiment une bonne spirale positive en ce moment. Oui, je me sens toujours bien. Moi, je comme je dis, je continue à grandir avec tous. Et je travaille pour ça et moi, je suis content parce qu'on a... On a gagné deux matchs, mais bon, on voulait bien finir l'année et on va continuer à travailler et à penser la prochaine. Pas de but encore ce soir. Tu vas bien dormir. Oui, oui, c'est important de ne pas prendre des buts parce que ça te donne plus de confiance, plus d'état d'esprit à l'équipe et voilà, c'est très important. Tu penses pouvoir la tenir encore combien de temps cette série incroyable? 5 matchs sans prendre des buts. Bon, nous, on ne voulait pas prendre des buts et tous les matchs. Mais bon, comme je dis, on va continuer à travailler parce que ce soir, on n'a pas fait un bon match. Et voilà, on va penser le prochain match parce qu'il y a des matchs très difficiles. Tu as une place particulière, tu es gardien de but, tu vois forcément tout le jeu. Oui. Comment tu essayes d'expliquer les difficultés offensives de l'équipe? Bon, des fois c'est difficile parce qu'aujourd'hui ça dépend le jeu qu'il y a en face, parce que l'équipe qu'il y a en face, parce que ce soir ils ont donné la place pour pouvoir sortir de le but, mais après c'est vrai qu'ils ont fait un bon pressing et nous on n'a pas été précis. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce match, mais bon, comme je dis, on va oublier déjà ce soir et on pense à la prochaine. Merci Walter. Merci, Walter.